et que les Seigneur. Ô Dieu, par la glorieuse résurrection de ton Fils, tu as détruit la mort et fait briller la vie éternelle. Accorde à ta servante Amancilia de ressusciter avec le Christ pour connaître sa présence et jouir de sa gloire éternelle. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Première lecture. Première lecture, Matthieu, c'est dans Ésaïe 61, verset 1 à toi. Nouvelle délivrance mondiale. L'Esprit bon Dieu, c'est descend sous moi. Parce que c'est choisi, libéré pour m'annoncer bonne nouvelle là-bas, moun qui n'a la peine. Pour me guérir tout le monde qui souffre. Pour me faire tout le monde qui été déporté. Qu'on est délivré. Pour me faire tout le monde prisonnier, qu'on est porte prison l'ouvrir pour eux. Ils voient annoncer les arrivées pour se faire délivrer le peuple. Je vais arriver pour bon Dieu, nous, venir tirer revanche pour nous. Ils voient encourager tout le monde qui n'a la fiction pour m'baï moun sion qui n'a la fiction yo qui est content n'a place la peine yo contentement n'a place qu'est serré yo m'a mette nan bouche yo chanter remerciement n'a place chanter plein. Yo pral grandi tant kou gros pied bras nan jardin CEA te planté ak mel. Yo tout pral faire ça qui doit devant bon Dieu pour tout moun kap fè louray bel pouvra li. Ça c'est parole bon Dieu grand-mère là qui gen tout pouvoir. Félix, pour les capables de chanter matin. Libre tu sais, protège de péché, de confort et bonheur privé, plus rencontrer l'adversaire obstiné. Qui prendre si Jésus, à qui crier, oh à qui aller, pour un
un refuge es-tu trouvé, ayant besoin d'un ami pour m'aider. Qui prendrais-tu, non Jésus-Christ? Les amis sont gentils et je les aime. Nous vivons de très bons termes, mais quand la mort à soir de près, si près, qui peut m'aider sinon Jésus? À qui crier? Oh, à qui aller? Pour un refuge, je suis trouvé, c'est un besoin d'un ami. Qui peut m'aider sinon Jésus? La vie est belle auprès de bons parents qui m'entourent bien tendrement. Mais de la mort, quand mise le torrent, qui peut m'aider sinon Jésus? À qui crier, à qui aller? Pour un refuge, je suis trouvé, ayant besoin d'un ami pour m'aider. Qui peut m'aider sinon Jésus? À qui crier? Oh, à qui aller? Pour un refuge, je suis trouvé, ayant besoin d'un ami pour m'aider. Qui peut m'aider sinon Jésus? L'appli deuxième lecture, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 26, puis 35 à 38, 42 à 44, 53 à 58. Mais c'est pas comme ça bagaille. Au contraire, Christ là t'est levé sorti vivant dans la mort. Comme ça, li bay garanti tout monde qui mouri gen pour lever vivant encore. Parce que même Jean, c'est un seul monde qui fait la mort entrer sous la terre. Même Jean tout, c'est un seul monde qui fait monde qui mouri yo capable lever vivant encore. Même Jean tout monde gen pour mouri parce que yo fait youn ak Adam. Comme ça tout, tout le monde qui fait youn à Christ là a gagné la vie encore. Mais chaque monde va lever sorti dans la mort dans temps pa yo. Christ là en premier avant tout le monde. Après ça, monde qui pour Christ là se va tout pa yo. Pour yo lever sorti vivant, le Christ là va tourner encore. Après ça, c'est vers la fin. Le ça, Christ là même pour écraser tout chef, toute autorité à tout pouvoir. L'el fini, la première gouvernement pays côté liwa nan men bon Dieu papa. Parce que Christ là gen pour gouverner tankou yon roi. Jou clair bon Dieu
va fin gagner bataille la net sous toutes les millions pour le mettre en bas pied li. Dans toutes les millions, c'est la mort qui a crasé en dernier. Mais yo moun va mandem ki jan moun mouri yo pour lever sorti vivant dans la mort. Ki kalite corps yo va gagner. Ou pas comprendre rien mon cher. Lè ou si men yon grain nan tè, li pa ka leve s'il pa mouri an van. Sa ou si men yon, se yon grain liye. Se ka yon grain mayi, se ka yon lot kalite grain. Ou pa jam plante plante lan men. Bon Dieu fè chak grain pousse jan li vle. Li bay chak plante fòm ki ale ak yo. Se même gens sa pralye, le moun ki mouri yo va leve soti vivant nan la mort. Le yo te enterre kora, se te yo kor ki te kapab pourri. Mais le kora va leve soti vivant nan la mort, la pyo kor ki pap kapab pourri. Le yo te enterre, li te yo kor tout led. Tout faible. Mais la li va lever vivant encore la belle la gen force. Le yote enterrel li te yon corps ki fait ak la boue. Mais le la lever vivant la tourne yon corps ki sorti nan l'esprit. Si gen yon corps ki fait ak la boue, faut gen yon kor ki sorti nan l'esprit tout. Moun ki gen kor ki fèt pou pouri a, yo gen pou recevoir yon lot kor ki pap ka pouri. Moun ki gen kor kap mouri a, yo gen pou recevoir yon lot kor ki pap jam mouri. Le moun ki gen kor ki fèt pou pouri a va recevoir kor ki pap ka pouri ankòr. Le monde qui gen corps kap mouri a va recevoir corps qui pa ka mouri a. Le sa parole qui écrit dans livre là va rive vrai. Pa gen la mort encore. Nous gagnons bataille la net. La mort côté bataille ou gagné yo. La mort côté pouvoir ou te gain pour faire nous la peine là. C'est péché qui bail la mort pouvoir pour faire nous la peine. C'est la loi qui bail péché à toute force li. Mais on dit mon Dieu merci. Li même qui fait nous gagner bataille là sous la mort, grand merci Jésus-Christ Seigneur nous. Comme ça frèm yo kebe fèm pa branè. Se pou nou toujou pi chò nan travay Seigneur a paske nou konnè travay nap fè pandan nap viv ansanm ak Seigneur a pa jan perdi. Sa se parol bon Dieu grand mèt la ki gen tout pouvwa. Merci bon Dieu. Merci. Debout pou nou chante. Yon jou m'a suspann chante myo. Arrêter sans pas chanter. C'est notre programme qui nous mène. Yon jour m'a suspendu chanter. Yeah.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 11, versets 21 à 27. L'Église pour lever vivant encore dans le dernier jour, les tout le monde mourir va lever. Jésus dit, c'est moi-même qui lève les gens mourir. C'est moi-même qui baille la vie. Les gens qui mettent confiance dans moi, ils ont gain pour vivre même si ils arrivent à mourir. Moun kap vive et puis qui mette confiance yo nan mwen, yo pa jamais mourir. Est-ce que vous croyez ça? Mat répond li, oui Seigneur. Moi crois ou c'est Christ la petite bon Dieu ou c'est moun qui te gen pour venir sur la terre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Juste avant nous, dis bon Dieu merci pour la vie à Mencia. Et l'arrivé dans le moment pour lui quitter le monde ici-bas, pour lui passer dans le monde céleste là. C'est la mort qui permet de nous vivre le moment ça. C'est la mort qui rend qualité service avec ce nous pour lui permettre que lui fait passage lui. Sorti dans le monde avec qui il est, le monde sous terre, le monde nous tous nous vivre là pour lui passer dans le monde qui est posé dans le bon Dieu. C'est un service, la mort rend li. Pendant que pour famine, petite lio, tout l'autre proche parent, c'est à la fois un moment de tristesse, un moment de séparation. Mais la foi nous dans bon Dieu, conviction nous dans bon Dieu, fait nous contents, nous réjouit. Parce que ce nous, les traverser, les prendre devant nous, côté bon Dieu réservé pour toute petite lio, tout le monde qui mettait confiance dans lui, il y a une demeure qu'il a pour tout le temps. Dans la deuxième lecture, nous avons chance d'entendre Paul dans un grand discours théologique qui a parlé de la résurrection, la foi en la résurrection. C'est un discours, certes, mais c'est plus qu'un discours, puisque dans le propos Paul, nous découvrons un homme qui a la foi, qui fait confiance à bon Dieu, un homme qui aide nous dans la confiance, nous gagnons dans bon Dieu, comprendre. Sans la mort sous terre. Paul fait nous voir comment ça l'aide, corps mortel, enveloppe Chanel là, lorsque il a quitté terre. Il tourne dans la boue, il n'est pas représenté en rien. Mais Paul aide nous à comprendre nous à partir de témoignages ça yo. Que nous tous qui là, nous tous petits bon Dieu, nous c'est des grains que on prend li al simen dans un jardin. Tout de suite, parole ça yo fait nous penser à la parabole du semeur. Y a un homme qui sortit, les pâtit, li al simen plante. Pour plante yo capable rivé, utile à savoir jamais. Pour yo grandi, pour yo donner, pour moun content, faut plante yo
mouri. Parallèlement, dans le discours théologique, ça, un discours théologique qui c'est en quelque sorte une théologie de l'espérance qui a parlé de l'espoir, confiance dans bon Dieu, nous venons comprendre comme monde, faut que nous mourions pour nous capables aller vivre la vie qui pas jamais finir. La foi nous dans bon Dieu aidez-nous mettez confiance nous dans la vie sans fin. Mais la vie sans fin ça c'est dans bon Dieu lié. La vie sans fin ça fait nous garder en arrière pour nous voir que la vie sous terre est belle. Et quel que soit mon nom, quitte ou malade, quitte ou content, ou est la vie à pas gain temps cool. Mais bon bagage qui est important, personne moun pas capable de camper la vie à sous cousli, faut le faire chimène. Ou encore, nous c'est des grains, nous c'est des moun qui viennent profiter de la vie à. Comment on a profité? Nous viennent profiter de la vie à parce que nous braler. Suivant Jean, nous vivons la vie, nous, la vie sans fin, la vie éternelle, la préserver avec nous. Mais nous rappelons, nous, c'est des grains que bon Dieu lui voyait dans le jardin. Nous gagnons pour nous mourir, même quand les grains sont belles. Ou casser des grains, il y a des grains qui sont infimes, qui pas bon. Mais il y a des grains où mettez grains maïs, pois, etc. Ils belles. Belles ou laides. Il a mouru pour être capable de bourgeonner, donner, bail fruit pour mon content. En tant que grain que bon Dieu s'y met dans la création, nous avons mouru pour nous revivre. Ces premiers bagages là, et Paul allait plus loin pour faire nous comprendre, nous pas de étonner. Si l'homme vient rendre nous service là et nous lui fait nous l'aide. Nous connaissons dans la vie, il y a monde qui compte persécuter en l'autre. Il y a des gens qui ont fait quelque chose pour humilier l'autre. Il y a des gens qui ont fait quelque chose pour montrer supériorité. Il est fier dans sa affaire, il est content, il a réjoui. Mais oublier, ça pas là pour longtemps, bon petit moment, tout pas là à priver. C'est un peu ça l'amour. L'amour vient et il mettait nous à genoux. Maintenant, bon Dieu. Notre petit ange Jésus qui était mort et élevé, bien vivant, premier grain, qui c'est en même temps le premier né d'entre les morts, ça veut dire parmi les morts, Jésus est le premier monde qui est élevé vivant. Nous connaissons tous, si nous avons confiance dans lui, nous déjà levé vivant, à savoir, nous déjà fait passage nous, de la terre à la vie éternelle. Nous avons passé là. Et Marthe qui dit Jésus, si ou t'es là, ce blanc va mourir. Mais moi, comme ça encore. Même là encore, si vous dites un bagage, si vous faites quelque chose, la vie. Et Jésus de répondre, lui dit à Marthe, frère, là, il n'est pas mort. C'est comme ça pour tout le monde qui mettait confiance dans mon Dieu. Sœur Amantilia, à partir de l'expérience dans la communauté ici et témoignage que nous gagnons, c'était une des monde qui a travaillé pour la communauté ça, qui est capable de camper ici. Ça, je l'ai dit, c'est un monde qui travaille pour aider la génération qui a venu connaître mon Dieu. Aider à connaître mon Dieu, je l'ai dit, pour nous vivre dans la main, vivre dans la tête ensemble, vivre dans ça qui est bien. C'est un monde qui, la vie a comme ça, dans tomber lever l'église là, dans la communauté ici, il y a les qui ont des difficultés, des problèmes entre frères, soeurs, entre membres. C'est un monde qui toujours demandé de nous mettre tête ensemble pour avancer avec l'église là. C'est le plus gros cadeau que mon Dieu est capable de faire. Sous ça seulement, à partir de ça seulement, sans compter de la vie familiale que tout petit monde qui vit avec le cas, l'église a fait ça comme témoignage. Et la communauté de Saint-Jean-Baptiste, en pleine Mapou, a besoin de ça comme exemple dans la situation difficile que la communauté ici a traversée pour nous connaître que c'est en grâce. Pour nous connaître ces petits bon Dieu. C'est une grâce pour nous connaître que nous avons fait qui chose pour bon Dieu. À chaque fois que nous avons posé une action qui permet à un prochain nous dire merci bon Dieu, nous faisons nous-mêmes pour nous dire bon Dieu merci tout parce que nous avons utilisé nous pour nous faire un bien. Et à chaque fois tout,
action nous aller dans le sens inverse, dans le sens contraire, pour nous empêcher le travail bon du marché, pour nous contrarier le monde, mettre division, pour nous empêcher la paix établie, nous mettre qu'on est, nous mettre une fortune sous terre, nous prendre mauvais chimère parce que nous pas fait ça bon Dieu mandé. Non, chimère, pendant m'a venu avec Sœur Mio qui accompagne, nous avons parlé de la vie chrétienne. C'est quoi la vie chrétienne? C'est comme si nous t'a dit qui ça? Ça veut dire servir bon Dieu. Dire ou servir bon Dieu, c'est une vie liée. C'est pas une étiquette que lié, c'est pas un nom on part en bas ou, c'est pas un rad ou mettre sous, c'est pas un map que lié, c'est pas un drap ou mettre sous pour cacher ou leur dire observer mon Dieu. La vie chrétienne non, c'est une vie. C'est ça qu'on parle de la vie chrétienne. C'est une vie et vie ça, les gagnants, un homme qui met lui c'est Jésus. Et nom ça, lui conduit nous non seul chemin, le chemin de l'amour. Comment pour nous aimer? Pour nous aimer sans garder derrière. Ce n'est pas un homme qui dit nous faire un bagage qu'elle n'a pas fait. Jésus a accepté bailler la ville. Pour tout le monde indistinctement, nous mettons confiance nous dans lui. Nous avons la vie qui n'a pas besoin de venir. Ça n'a pas une étiquette sur lui. Si vous êtes partisan de l'amour, ou c'est mon bon Dieu. Si vous êtes partisan de l'amour, ou c'est chrétien. Si vous êtes partisan de l'amour, ou à travailler pour faire ça qui est bien. Si vous êtes partisan de l'amour, ou à travailler pour encourager une autre vivre dans quelque chose. Et c'est ça Paul dit dans la fin lecture, dans le chapitre 15, il dit c'est pour nous encourager, c'est pour nous travailler, frère Maxime, parce que, et pour nous, travailler nous dans le Seigneur, pas en vain, pas prêter sans récompenser. Comme ça, c'est nous qui atteignons 90 et plus, 94, 95 l'année qui prend devant. C'est le moment pour y aller. Mais nous-mêmes, nous continuons dans le chemin. Nous devons prendre à partir de ça, nous sommes dit là, yo, ça qui est bien, yo, côté nous, pour nous encourager la paix, pour nous encourager la main, encourager mon vie pour mon Dieu, encourager une, supporter l'autre, pour ne pas avoir de division, pour ne pas avoir de haine. Prends ça qui est bon. Ça qui n'est pas bon, fais fort, mettez-vous sous côté. Là, nous avons deux personnages qui font tout le temps ça, qui vivent dans le moment où ils vont aller, après, ils prennent règle temps où ils vont aller. Qui ça qui réserve avec lui? La foi, l'église là, dit nous que c'est un monde, mon Dieu. La foi, l'église là, dit nous, bon Dieu, nous avons servi à qui c'est un Dieu de pardon, là, va accueillir la Kaili. C'est notre foi, notre confiance, notre espérance. C'est ça qui est bien, bon Dieu, réservé pour petit Dieu. Et si nous remets, sœur, ça qui prend devant, pour maman, alors excusez-moi, pour petit, pour l'autre famille que les gagne, pour voisin, tout proche, etc., et les gens qui dans l'église là, sœur, ça nous a fait, c'est imiter ça qui était bien, c'est ton monde pour la paix. Et parfois, tout, les gens qui arrivent dans la salle, ils deviennent sous terre comme des jouisseurs. Nous comprenons des jouisseurs, les gens qui jouent. Ils avaient dit, ou pas de fond, ils n'ont pas de pourtant rien. Nous venons sous terre sans rien. Nous sommes des jouisseurs. Bon Dieu mettez les bagailles sur le chemin. Nous. Bon Dieu mettez les bagailles sur la route. Nous nous joignons, nous exploitons, nous vivons, nous jouons. Mais nous prallons. Et c'est comme ça le théâtre, c'est comme ça lié, c'est comme ça l'a toujours lié. Nous prallons, tout ça nous finit rassemblé, nous avons quitté pour derrière. Et c'est ça qui fait, ça nous joignons, pas doué diviser nous. Comme des fois, les gens qui ont passé à prendre le temps, les gens qui ont fait le monde, ils ont séparé bien, séparé richesse. Nous n'avons pas de richesse. Nous n'avons pas de richesse. Des fois, tout, nous faisons bien enterrement. Après, nous avons boumé. Ou bien, même enterrement, nous avons boumé pour richesse. Nous sommes des jouisseurs, nous n'avons pas de ville à rien. Nous prenons quitter. C'est pour bon Dieu qui ban nous pour prendre soin de nous comme petites. Les oiseaux des champs. Ils marchaient à droite, à gauche. Ils ont volé de un pied bois à l'autre, de un fleur à l'autre. Pendant qu'ils ont besoin pour manger, en même temps, tout, ils ont plagué les graines, ils ont simé, bon Dieu, utilisé pour prendre soin. C'est ça que nous y est, des graines que bon Dieu simé dans la création, la tente nous gêne, nous donne, nous baille fruit pour nous vivre et pour nous découvrir que toute bagaille est faite à partir de sa largesse.
de son amour, de sa bonté pour nous autres qui sommes ses enfants. Comme ça, petit, tout le monde qui est derrière, le monde qui est dans l'église, qui est négligent, pour nous songer, ça c'est un monde qui te remet comme nous théâtre. C'est un monde qui te remet pour nous vivre dans l'amour de Dieu, dans tête ensemble. Que ça servit nous un témoignage pour nous avancer, si nous n'étions pas reçus, si nous n'étions pas négligents. Pour nous autres petits, que ça servit nous de témoignage pour nous qu'aimer, pied bon Dieu. Que ça servit nous de témoignage pour nous côté nous y a lumière pour éclairer. Nous voyons comme ça, il mettait là, l'éclairer, il mettait tout le monde visage en bien. S'il fait noir, s'il pas allumé, ce n'est pas même bagaille. Nous besoin de lumière pour nous éclairer le monde là. Dans ça qui vient, pour nous bailler d'exemple. Des fois, nous avons à vivre très bien. Et puis, une simple chose, bagaille de peu de valeur, fait que vous sale, ou laid, c'est après, ou après nous compte. Pourquoi ça me fait ça? Parce que nous n'avons pas mis des têtes nous ensemble. Petit bon Dieu, c'est pour nous connaître, nous avons à vivre parce que bon Dieu fait nos grâces. La vie nous pas dépend de qui que ce soit. Tout le monde qui est sous chimène nous, bon Dieu, mettez-le sous chimène nous. Nous doit toute louange dans ces bons dieux qu'on met là et que nous devons toujours reconnaissant envers. Quant à notre sœur Avantilia, les devant et dépouille là, que nous n'avons pas même besoin ouais, qui a défiguré et après quelques secondes, absurde, pral pourri, vert, pral manger, ça n'a rien à voir avec le monde que le déjà. Mais bon Dieu, t'a utilisé ça pour te permettre de vivre. C'est le chemin qui nous est tous tracé. Le chemin que nous avons aussi à parcourir quand arrivera notre tour. C'est peut-être ça, frère Seigneur. Nous devons la prière. Et à chaque fois, nous vivons une situation de funérailles pour nous comprendre. La vie est trop courte. La vie est trop courte. Trop courte pour rester dans les vaines choses. Choses futiles. Bagaille qui a divisé nous, qui n'a pas d'importance. En nous qui a nous fixer sur le Seigneur, les jours nous arrivent pour nous capables d'aller en paix. À toute famille à Mansibia, moi souhaitez-nous courage, moi souhaitez-nous sympathie, sympathie l'église là. Et pas oublier, nous c'est petit bon Dieu a pris soin de nous, tout pas nous, derrière tout, à nous profiter, vivre dans faire ça qui vient. C'est pour bon Dieu que maintenant accueillir seul nous, côté lui réserver place pour toute petite bio. Et les jours nous va arriver, nous va retrouver nous ensemble dans festin aussi. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous mettons debout pour nous déclarer la foi à l'église là. Nous là parce que nous croyons dans bon Dieu. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. En paix, continuons à prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu rassembles tes élus dans une même communion, le corps mystique de ton Fils, le Christ notre Seigneur. Donne nos temps suppliants à ton Église tout entière, au ciel et sur la terre, ta lumière et ta paix. Accorde à tous ceux qui ont été baptisés dans la mort du Christ et dans sa résurrection de mourir au péché pour revivre dans une vie nouvelle. Que passant avec lui par le tombeau, la porte de la mort, nous accédions avec lui à la gloire de la résurrection. Dans ce pèlerinage terrestre où nous sommes encore, nous cheminons par la foi.
Conduis-nous par ton Saint-Esprit dans la justice et la sainteté tous les jours de notre vie. Avec tous ceux qui sont morts dans l'espérance de la résurrection, accorde-nous de trouver notre épanouissement dans le bonheur éternel de ta gloire et de recevoir avec tous tes saints la couronne de gloire que tu promets à tous ceux qui ont part à la victoire de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous te confions notre sœur Amande Sibia. Dans le baptême, elle est née à nouveau de l'eau et de l'Esprit. Fais que sa mort nous rappelle ta victoire sur la mort et soit pour nous l'occasion de renouveler notre confiance dans l'amour du Père. Nous t'en prions, donne-nous la foi de te suivre là où tu nous as précédés, là où tu vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. C'est le moment pour nous faire un petit chita, pour nous capables d'entendre un groupe d'enfants mignons qui a chanté un chant. Et après ça, les chants terminés, nous avons gagné biographie et remerciements qui a présenté par Sunshine Civil, Bettina Brivard et Lunaire Lundor. C'est là au cœur.
décédé le 13 mai 2022 à Lansaralais. La mort n'est pas à craindre, elle libère. Je te salue, ô mort, libérateur céleste. Tu n'es ma parole point sous tes aspects funestes, que t'as prêté longtemps le pouvant ou l'horreur. Ton bras n'est point armé d'une glaive destructeur. Ton front n'est point cruel. Ton aile n'est point perfide. Au secours de douleurs indéclémentes et huides, tu anéantis pas. Tu délivres. Ta main, céleste messager, porte un flambeau divin. Quand mon œil fatigué se ferme à la lumière, tu viens d'un jour plus pur inonder ma paupière. Et l'espoir près de toi revint sur un tombeau. Appuyé sur la foi, m'ouvre un monde plus beau. Ce pour une certaine mise en relief de la vie de Madame Amancilia Petida avant son trépas. Amancilia Petida dit Maïma pour les intimes, née le 17 avril 1927 à Pleine-Matou, localité se trouvant dans la 3e section communale de la commune de Lansaralais. D'une famille de 7 filles répondant au nom de Clermencia Petida décédée, Hermilia Petida décédée, Leuracia Petida, Gédilia Petida, Lormicia Petida décédée, Exilia Petida décédée, enfin Amancilia Petida décédée. Elle était fille de Isophane Petida et de Orsilia Tulomine décédée tous deux. Dès son jeune âge, dans sa qualité de belle-fille, elle rencontre M. Saint-Acasimir, originaire des Grands-Bois, avec qui elle enfantait 9 enfants, et j'ai décidé leur nom. Luc Petida, Isamel Casimir, Lermicile Casimir, Faneus Casimir décédé, Monique Casimir décédé, Jean-Denis Casimir décédé, Sejou Casimir, Lucien Casimir, Amentia Casimir. Comme nous venons de le souligner là-dessus, suivant les dires de plus d'un, Madame Amancilia Petida, dans sa jeunesse, pour sa qualité de belle fille remplie d'usage, attirait sous elle les regards de tous les gardes du quartier. Seul M. Saint-Acasimir avait eu le gain de cause. Cette union se révélait fructueuse par la naissance de ces 9 enfants que nous venons de citer là-haut. Pour permettre à ces enfants de passer de l'état de nature à l'état de culture, Amancilia s'adonnait à la culture de la terre et du commerce. Et d'autres activités qu'on pourrait même négliger ou juger insignifiantes. Étant que mère, maïman pour les intimes, se mettait à l'écoute et au service de tous les membres de sa famille pour tous les quartiers, si l'on voudrait plus explicite.
Elle a été une mère, une grand-mère, une tante, une conseillère, une amie, une servante et un bon maman. On l'appelait Maman Ima par ses gens, par ses petits-enfants, eux-mêmes tous les gens de la communauté. Étant que mère, elle n'était jamais marâtre, car très soucieuse de ses enfants, et elle s'est donné corps et âme pour les élever, les éduquer, les instruire et les nourrir selon ses propres capacités. D'où toute sa vie, elle s'est donnée en holocauste à travers tous les marchés publics tels que Chada, Petit Panis, Palma. Presque chaque vendredi, elle parcourait la longue traversée entre les étroits à Port-au-Prince. Et certaines fois, elle dormait et passait plus de 3 à 4 jours sur les grands océans. Vivant à Pleine-Mapou, la localité de domicile, de son jeune âge, Maïma était appréciée de tous. C'est la raison pour laquelle on l'appelait Maman Ima. Permettez-moi de dire ça. Maman Ima, c'est un monde qui est poli, aimable, gentil, sage, et il était toujours prêt pour le temps de tout le monde, petit ou grand. Il était remé tout petit li à petit petit lio. Pas de jambes qui ont été valées, qui ont l'autre. C'était une femme d'yan qui était toujours à travail matin, midi à soir pour te prendre soin de petit lio. Été à Pognon, travail, c'est chemin liberté, c'est une raison toute petite qui était à prendre, tout fait commerce, et c'est un héritage sacré qui était pour eux. En 1991, elle entrait dans les lieux du mariage avec M. Saint-Anne Casimir. Cette union célébrée par le révérend Père Fritz Valdemar, soit le 7 avril 1991. Malheureusement, cette union était rompue à cause du décès de son époux. En 2019, touchée par une terrible maladie, Alzheimer, perdait toute sa lucidité et son vrai sens. Avec beaucoup de stupéfaction, le jour vendredi 13 mai 2022, elle rendait son dernier soupir. Un vide qui ne comblera jamais dans cette famille endeuillée. En cette pénible circonstance, nous profitons de cette occasion pour présenter toutes nos sincères sympathies à ses enfants. Luc Petida, Isalène Casimir, Lermissi Casimir, Sergio Casimir, Lucien Casimir, Amédia Casimir, à ses petits-enfants. Jean-René Petida, Molière Casimir, Wilgens Fleurival, Duverger Choudli, Duverger Jean-Vince, Élise Bétana, Élise Adriana, Jean Veda, Jean Anya, Jean Vénès, Petida Michna, Petida Michna, Petida Wiflir, Petida Luxon, Petida Gentry, Ilanda Petit Frère. Nos sincères mots de condoléances à ses arrière-petits-fils. Jean-Christine, Jean, Jean Chinda, Jean Sahel, Casimir Cynthia, Cyril Saint-China, Priva Bettina, Oxéa Dugajvili, Paul Tarachnika, Sylvestre Leandro, Lindo Daoud Lenz, Lindo Taïcha Misenji, Casimir Chilobens, Moïse Gervilens, Moïse Bedjuna, Moïse Talens. Condoléances à ses beaux-fils et belles-filles.
Lunel-Lindor, Saint-Just-Sylvestre, Éclat Petit-Frère, Venel Civil, Jean-Denis Privat, Jean-Renel Duverger, Gino Élisée, Lona Joseph, Gerda Moïse, Moïse Magnèse, Marie-Thérèse La Suisse, Magnèse, Jean-Christine Moïse, condoléances à Saint-Levé et Nice. Homme Saint-Dassis, Jean-Théodore, Kenis Dassis, Anastia Théodore, Marie-Claude Lindor, Félix Yveline, Martine Faustin, Lettine Faustin, Merci Vierge Érinée, Paul Guillaume, Paul Léveillé, Adnan Théodore, Jean-Ton Théodore, Isaac Dassis. Tous nos sisters, toutes nos sincères condoléances à ses amis. Bosguiva Eriné, Agneau Eriné, Vigila Paul, Victina Paul. Condoléances aux différents membres de l'Église anglicane Saint-Jean-Baptiste de Pleine-Marne. Et enfin aux différentes familles éplorées par ses pères. À vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs distingués amis, à vous tous. Merci. Procéder au dernier adieu, nous mettez-nous debout pour nous chanter Dieu soit avec toi jusqu'au revoir. Nous demandons pour nous faire un petit lever, un petit camper, s'il vous plaît. Et on va chanter Dieu soit avec toi jusqu'au revoir. Dieu soit avec toi jusqu'au revoir. Non, 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 non.
avec les saints au Christ, accorde le repos à ta servante, là où il n'y a plus ni peine, ni tristesse, ni gémissement, mais la vie sans fin. Seul tu es immortel, toi qui as créé l'homme et l'a façonné. Mortel, nous avons été façonnés de la terre et à la terre nous devons retourner. Comme tu l'as ordonné, toi qui m'as formé et m'as dit, tu es terre et tu retourneras à la terre. Nous allons tous à la terre, mais même à la tombe, notre chant est l'Alléluia, Alléluia, Alléluia. Avec tes saints au Christ, accorde le repos à ta servante. Là où il n'y a plus ni peine, ni tristesse, ni gémissement, mais la vie sans fin. C'est entre tes mains, Sauveur de miséricorde, que nous remettons ta servante Amancilia. Reconnais en lui, nous t'en supplions, une brebis de ton bercail, un agneau de ton troupeau, une pécheresse que tu as rachetée. Dans ton amour, reçois-la dans le repos bienheureux et la paix qui ne finit pas, et introduis-la dans l'assemblée des saints qui jouissent à jamais de ta lumière. Amen. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne rejetterai pas. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Et dans l'espérance sûre et certaine que le Seigneur Jésus la ressuscitera pour la vie éternelle, nous recommandons notre sœur Amancilia au Dieu Tout-Puissant et nous remettons son corps au sol. La terre retourne à la terre, les cendres au sol et la poussière à la poussière. Que le Seigneur Jésus la ressuscitera pour la vie éternelle. Qu'il la bénisse et la garde, qu'il fasse rayonner sur lui son visage et lui accorde sa grâce, qu'il lui découvre sa face et lui donne sa paix. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu des esprits qui anime toute chair, toi qui as fait proclamer bienheureux ceux qui sont morts dans le Seigneur, multiplie, nous t'en prions, les bienfaits de ton amour sur ceux qui reposent dans le Christ. Que l'œuvre excellente que tu as commencée en eux poursuive son achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Accorde à ceux qui te servent aujourd'hui sur la terre d'avoir part avec eux dans la lumière à l'héritage des saints par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Que brille sur lui la lumière sans déclin. Que son âme et celle de tous les fidèles défunts repose dans la paix par la miséricorde divine. Amen. Alléluia, Christ est ressuscité. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Allons au nom du Christ, nous rendons grâce à Dieu.